Stylé ou pas? Eh ouais, Halloween c'est dans seulement 2 mois. 2 mois c'est vite là hein. Et ne dit-on pas, mieux vaut être en avance qu'en retard? Voilà, pour le coup, je peux pas faire mieux au niveau de l'avance. Bref, la semaine prochaine on monte le sapin. Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo que je vais certainement regretter. Il y a de fortes chances. Croyez-vous aux histoires de fantômes? Croyez-vous au monde étrange? Et blablabla, et blablabla, bienvenue dans Enquête de Paranormal. Non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, vidéo un peu plus à la cool, tranquille, on va réagir à des vidéos paranormales. Aujourd'hui, je vous propose un petit peu d'aller se balader sur le net et de voir un petit peu ce qui traîne en termes de fantômes, esprits paranormaux. J'ai vraiment envie de rester dans ce thème-là aujourd'hui, voyez-vous. Je sais que ça vous plaît, je sais que vous kiffez avoir peur, vous kiffez aussi me voir avoir peur. Eh bien aujourd'hui, vous allez être servi. Au début, je vous avoue que j'ai hésité un peu, je voulais faire la vidéo avec l'Oculus Rift. Je me suis dit, on va les regarder en 360 degrés. Et puis, je me suis rappelé qu'avec cet engin, si je regardais des vidéos effrayantes, j'allais très certainement succombé d'une crise cardiaque. Et la vidéo n'aurait très certainement jamais vu le jour. Donc je me suis dit que si cette vidéo atteignait la modique somme de 5000 likes, on ferait éventuellement un deuxième épisode, mais cette fois-ci avec l'Oculus Rift. Et je pense que... là, il y a quelque chose. Alors, pour trouver des vidéos effrayantes sur Internet, rien de plus simple. Je vous donne ma petite astuce. Vous tapez simplement « vidéo effrayante de la mort qui tue et qui cause des crises cardiaques. Pas pour les fragiles. » Voilà. Et vous faites entrer. Ah, bah voilà, regardez. « Don't watch this video at night. » On clique sur celle-là. « The following video contact quantum sat viewer find disturbing. Yes. » « Light off. » Ouh ! Voilà qui devrait nous plonger un petit peu plus dans l'ambiance. Très bien, revenons à nos brebis. Not eating... ok. Alright. Level 1, image. Ah d'accord, c'est des levels carrément. Effectivement, image assez dérangeante pour le coup. Mais qui s'explique très bien par le logiciel Photoshop. Elle est connue celle-là. Avec des voix, ma foi, en fond plutôt effrayantes. Inquiétante, je dirais. Ah, ça, c'est sale, hein. Ça, c'est sale, quand même, hein. Un pendu sur un arbre en pleine forêt et tout. Ah, ouais. Ouais, c'est chaud, ça. Je sais pas si c'est des vraies images, des fois. Bon, bah, il y en a forcément, c'est faux. Hein. Comme ça, cette poupée qui te regarde par la fenêtre. Totalement, totalement refaisable. Il y en a, c'est vrai qu'ils sont assez chauds, quoi, hein. Je vous jure, j'ai écouté un bruit chez moi. Non, je vous mytho pas. Non, bah je sais pas, y a rien, c'est peut-être dehors. Bon, franchement, absolument rien d'effrayant là-dedans, on va tout de suite passer au level 12, hein. Enfin, level 2. Ah. Quelqu'un qui descend des marches d'escalier. Ah, tu peux vite psychoter si t'es chez toi, tout seul, comme ça. C'est vrai que c'est vite psychotant, hein. Attendez, on va mieux se mettre dans l'ambiance. Je vais mettre les deux écouteurs. Un joli montage. Simplement une bande audio réversible dans Windows Movie Maker. Très faisable. Level complète, tu m'étonnes mon vieux. Ou level 3. GIF. Ouah, ah ouais, ça par contre, ça me fait flipper. Genre les trucs à la The Ring et tout. Ouais, ça encore, ça va. Ouais, il y en a, c'est vrai qu'ils sont vachement badants encore. Hein. J'avoue. Oui, très joli montage, bien sûr. Non, alors ça, par contre, ça, c'est d'une simplicité. Faut arrêter de déconner, quoi. Oh. Ouais, bien fait, franchement. Hein. Ouais, ouais. Il va se retrouver derrière. Oh. Ah ouais, celui-là, ouais, il est quand même... ouais, il est violent, celui-là. Ouais, c'est chaud. Par contre, ouais, joli montage. C'est clair que ça m'arriverait. Franchement, je ferais pas le malin. Après, je veux dire, il y a rien de plus simple que de faire apparaître un spectre fantomatique chez vous. J'irais même jusqu'à dire que c'est d'un level 1 en base de montage. Pour ce faire, absolument rien de plus simple. Il suffit simplement de décaler sa chaise. On décale le micro comme ceci. On coupe la fumée pour éviter les faux raccords. Il suffit simplement de filmer sa pièce à vide pendant quelques instants. Le deuxième coup, vous filmez en train de passer devant la caméra comme ceci. Ensuite, il suffit simplement d'apporter les deux fichiers dans votre logiciel de montage. Vous les superposez, vous appliquez un effet de transparence sur celle du haut, et voilà, vous avez une apparition fantomatique chez vous. Ne me remerciez pas, le cours de montage, c'était gratuit. Oh! Ah ouais, dur. Ouais, il y a des images quand même, ils sont un peu chauds. Oh! Oh, celle-là, putain. Et celle-là m'a fait flipper. Bizarrement, je vous jure. Attendez, attendez, j'ai envie de revoir celle d'avant quand même. Regardez ça. Oh! Elle est... Moi, elle me donne des frissons en vrai. Ouais, celle-là, elle est un peu bizarre.
Level 4 vidéo. On va donc analyser ensemble et décortiquer ces éventuelles vidéos de fake ou pas. Intéressant. L'histoire de l'apparition fantomatique, telle que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est la même. Oh, il est flippant. Il est flippant, mais il était bien fait. Regardez, il a à moitié mort de rire, même le mec, là. Bien fait, bien fait. Ouais, pas mal ce petit montage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y donne un 3 sur 10. La transition était quand même pas mal faite. Ça va. Le 3 est justifié par cette qualité de merde, certainement filmé avec une caméra qu'il a chopée dans un Kinder Surprise. Non, mais c'est un truc de fou. Faut dire ce qui est. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, les trucs comme ça, c'est tout le temps filmé avec une qualité de merde. Tu sais pas pourquoi. Ce sera jamais filmé avec une caméra 4K ou quoi. Disons que c'est pas réellement le genre de vidéo qui me fait flipper. Tout ce qui est screamer, enfin tout ce qui paraît un petit peu fake. Bon après, je vous avoue quand même que celle qui me fait le plus flipper, c'est celle-là quand même. C'est un truc de fou, regardez ça. C'était, je sais pas, c'est flippant, mais même quand je la regarde encore, ça me fait flipper là. Vraiment, ce qui me fait le plus flipper, c'est ce genre de vidéo, vous voyez, où on a un doute entre le fake et le réel. C'est plus les vidéos qui peuvent paraître réelles. Bon, bien que là, y a absolument rien qui paraît réel, quoi. Mais dans l'idée, c'est ça. Par exemple, celle-là, oui, non, non. Voilà, non, ça, ok, ça fait pas flipper. Je te fais la même avec un bout de ficelle sur ma machine à laver. Main Ghost China. What? C'est quoi ça? J'ai pas compris. C'est des gens qui se cassent la gueule, quoi? D'accord, c'est des gens qui se cassent la gueule tout le temps au même endroit, mais en fait, y a rien à voir avec un ghost made in China ou je sais pas quoi, là. Non, ça, voyez, j'y crois pas, pareil. Homme possession USA. Ça, des fois, ça peut être chaud, les possessions et tout. Y en a, ils sont super chauds là-dessus. Ah, la poupée? Ouais, c'est moyen. Un petit détourage de la poupée, un petit effet visuel en y bougeant la tête. Tu colles un calque ici et hop, le tour est joué. Non, ça j'y crois pas, pareil. Non, encore une fois, absolument rien de paranormal ici. Tout est normal au contraire. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est en train de présenter son petit dessin sur sa table. Ok, d'accord. Alors autant, je suis très bon client pour ce genre de vidéo, il y a des trucs auxquels je crois, mais là, non. Ces genres-là, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Suffit d'une personne complice derrière et qui tire le truc avec un fil de pêche. C'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo où je contacte Momo à 3h du matin. Non, 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 non. Tu m'auras pas, mon gars. Non, oh, regardez. Regardez ce sursautage mal joué. Regardez bien. Regardez bien ce sursautage mal joué. Regardez. C'est tellement mal joué. Non, mais attends. Alors, pareil, hein, tout ce qui est Ouija, franchement, j'ai du mal à y croire. Il y a eu tellement de fake avec ces trucs-là. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Après, je dis ça. J'ai jamais essayé, quoi, mais... Ça se transforme plus en... Ça se transforme plus en jeu qu'autre chose, quoi. Non, 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 non. Ça, c'est fake, ça. Il me la frappe à l'envers. Oh, attends, regardez ça, quoi. C'est trop gros. D'accord. Donc là, on a affaire à une fille qui nous fait un petit chant. J'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est la poussière bleue? D'accord. Donc toi, en fait, t'as une poussière qui passe devant ta caméra, ça y est, c'est la dame blanche, quoi. Voilà, ça, c'est pareil. Non, 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 et non. Ah, peut-être les chats, des fois. Ouais, des fois, ils voient des trucs, les chats. Regardez, regardez comment ils s'irrissent les poils, là. Attendez. Ouais, ouais. Ouais, des fois, les chats, ils voient des trucs, on sait pas trop. Hein. Je vois le mien, des fois, il regarde en l'air, comme ça. Il fixe un point. Je sais pas ce qu'il regarde. Mais il regarde. Non, peut-être qu'il a vu une petite bestiole ou je sais pas, une poussière. Ou peut-être qu'il a vu un gros démon, je sais pas moi. Ouais, c'est chaud quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une porte qui s'ouvre violemment toute seule. Avec quelqu'un derrière en train de la pousser dans le coin, bien sûr. Non, franchement, je suis désolé d'être mauvaise langue sur des trucs comme ça, mais j'y crois pas du tout. Ça, c'est des trucs encore, voilà, filmés avec un fil de pêche et tout. Et qu'est-ce qui fait que j'y crois pas? C'est surtout le fait que ce soit filmé. Qu'est-ce qu'une caméra vient foutre là comme par hasard au moment où il y a une porte qui s'ouvre toute seule, au moment où il y a une planche de bois accrochée avec un fil de pêche qui prend feu. Ah, là, c'est fort, là. Là, c'est fort. Il a réussi à la faire prendre feu, quand même. Ouh, la Ouija. La Ouija. Alors là...
Qu'est-ce qui va se passer? La table, elle va se retourner. La planche, elle va valser. What's your name? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, ils sont au centre. Oh putain, le coup, il m'a fait sursauter. Non, franchement, ok, il m'a fait sursauter avec ce truc à la con, là. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se passe tellement rien pendant un moment. Attendez, je reprends. Il a réussi à me faire sursauter, quand même, hein. Ouais, bon, là, c'est bon, je m'y attends, maintenant. Mais... bien joué. Oh, bien joué. Il a réussi à me faire esquisser un petit sursaut, on va dire. Hein, léger, léger, léger. Non, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, sincèrement. J'en ai assez vu pour ce soir. Moi, pour moi, tout ce qu'on a vu là, c'est fake. Je veux dire, des trucs que je tire avec des fils de pêche et tout, ça, moi aussi, je le fais. Hein. Je te pose la caméra et je te tire un machin, une tasse, un bol. Je te les fais tomber, ma baraque, elle est hantée. Hein. Après, je dis pas, il y a des trucs, des fois, c'est vraiment étrange. Tu peux te poser la question. D'ailleurs, je vous invite pour une prochaine vidéo à m'envoyer vos vidéos les plus flippantes, mais les plus flippantes de chez Flippante, à cette adresse mail qui s'affiche juste en bas. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça et peut-être qu'on débunkera tout ça dans une prochaine vidéo, ça pourrait être sympa. En tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéo, je compte sur vous pour faire péter les likes et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures et ciao tout le monde, bye bye.